Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon dans lequel nous allons... Ah bah tiens, une zone de conflit. Des zones de conflit. Alors on va plutôt se... J'avais pas vu qu'il y en avait. On va plutôt se diriger vers les zones de conflit. Par contre j'ai pas vu du tout le nom de notre... Merde, de notre ami dans cette... Si ça doit être trouvable ici. Attendez. Voilà. Independent Desia Green Party. Eh bien écoutez, on va y aller. On va choisir la faible intensité. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls. Pour le moment, nous sommes seuls. Du coup, on va voir à quoi rime la faible intensité. Et ensuite, on verra si oui ou non, il y a possibilité d'aller dans une plus forte intensité. Mais normalement, avec l'augmentation du niveau de l'IA du jeu, on devrait avoir plus de risques dans une forte intensité. Du coup, je préfère recommencer entre guillemets à aborder ce genre de zone de conflit par le début, c'est-à-dire les faibles intensités. Et ensuite, on reverra bien si oui ou non on peut se permettre d'aller plus loin. En tout cas, moi je l'espère. Cela dit, on peut pas encore trop juger. À nous de voir maintenant. À nous de voir. On en est assez loin, dis donc, ouais. Dis donc. Hop. On est même très très loin. Très loin. Bon. On y est presque, enfin, me direz-vous. Enfin. Alors, une planète au milieu. Planète rouge. Intéressant. Bon, j'espère qu'on pourra prendre... normalement, la plupart des zones de conflit sont en rapport avec la plus grande... La plus grande des sous-factions et une mineure. Souvent, c'est ça. Après, il est possible que je me trompe. Elle est sur la planète ou quoi? Non, pas quand même. Alors, on y est presque. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer plus tôt? Genre à 3? Non. Faut vraiment être à 1. Des fois, on arrive à entrer dans des trucs alors qu'on est un peu plus loin que prévu. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça plus pratique. Hein. Hop, c'est parti, on y va. Crac. Donc, comme d'habitude, on rentre là-dedans. Choisir faction. Desia Corporation, League. Bah, on va plutôt choisir Desia que l'autre système. Ok. Eh ben, répondez. Hop. Parfait. Ça bourre violemment. Pourquoi j'ai pas... Ah oui, d'accord. Boum. Crac. Crac. Voilà. Reviens voir papa. Hop. On va se mettre comme ça au niveau setup pour le moment. Il est à 4% et il va rechoper son bouclier. Quelle horreur. Hop là. Qu'est-ce que je disais? Du coup, il va être peut-être un petit peu plus aventureux. Ah bah non, c'est bon, on l'a eu. Ok, suivant. T'es pas un peu plus gros? Un peu plus loin celui-là, ça surtout. Il est surtout un peu plus loin. Bon, on y va. On va essayer de sauver notre copain. Bien qu'il soit, semble-t-il, un peu plus proche. Dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de mettre les choses un peu plus triées entre guillemets dans cette liste. Hop, salut l'ami.
dommage. Pas pour longtemps. Ok, lui c'est fait. Suivant. Au suivant. J'espère qu'on se trompe pas de... Apparemment on se trompe pas de... Je sais pas sur quoi je tire. Oh la vache, ça fait un bruit de malade. Je te laisserai pas me rentrer dedans. Je te laisserai pas me rentrer dedans, t'es fou. Hop. Hop. Ok. Y'a pas de soucis. Oh la vache! Nos boucliers! Putain! On n'a plus de boucliers! Catastrophe! Ça fait que j'ai pas eu le temps de les recharger, ça fait que j'ai gaspillé une cellule d'énergie. On devrait l'avoir. Cela dit. Oh là! Putain, la tentative de suicide, je déteste ça! Je déteste ça. Alors là c'est obligé de faire la fuite. On est obligé de fuir lâchement à cause d'un vaisseau qui a tenté la tentative de suicide. C'est... Y'a rien de plus saoulant que ça. Je suis désolé chers amis, on est obligé. Vous pouvez le voir de toute façon, on n'a pas des masses le choix. Allez. Allez, donc vous voyez, même les faibles intensités ont leur propre petit petite difficulté, on va dire. Donc bon, on a du boulot. Histoire de faire les choses comme on est censé le faire, les modules. Survolteur de bouclier, hop, on le désactive. Ça va permettre à notre bouclier de recharger un peu plus facilement. Voilà, et là on peut les réactiver. Et voilà. Hop. Bon, bah vous voyez, il y a la petite difficulté. Hein. La difficulté est bien présente, si je puis dire. Oh là là. On a quand même fait combien? 84 000 crédits. Bon, c'est pas petit non plus. On peut pas dire que c'est petit. Mais bon. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu le coup du suicide, je pense qu'on aurait pu... On aurait peut-être pas pu régénérer. Mais bon, c'est comme ça. On va se rentrer, on va se réparer, puis on va revenir. Faisons les choses bien. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas une station juste à côté de la zone de conflit. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Là, elle est autour d'une planète. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. On ne peut rien y faire. Hop, voilà, le nom des dédiés, tout trouvé. Faible intensité. C'est ça, mais bien sûr. On a quand même vu des Ice Explorers et des pitons, hein, juste pour dire quand même. Juste histoire de remettre les choses au clair. Et le mec, ils ont le temps de t'écrire des textes en même temps qu'ils te tirent dessus. Hein. Pas de soucis, ça va. Tout va bien. C'est vrai. Par contre, je me dis que peut-être que l'accélérateur plasma, c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Hein. En tout cas, sur les petits vaisseaux, c'est clairement pas utile. Sur le piton, par contre, ça pourrait être un peu plus sympathique. Enfin bon. On va se faire réparer, puis on y retourne, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors. Eh ben non, toujours pas. On l'aura pas du bon côté cette station. On l'aura jamais. Applaudissez les jeunes mariés. Clap. Majuscule à mettre.
Hop, est-ce que je la mets? Oui. Je vais me cracher dans la station si ça continue. Clap, clap, clap! Voilà. Mec, qu'est-ce que ça a à foutre que de répondre à des PNJ? Hop. On va essayer de se mettre en face. Hop. Crac. Hop. Alors, 37, 37, je la vois. Crac. Crac. Hop, faisons les choses bien. Landing gear deployed. L'habitude commence à rentrer, chers amis, donc ça va. Hein. Depuis le temps. Depuis le temps, depuis le temps. Service de spatioport, on va se faire réparer tranquille. Réapprovisionner tranquillement. C'est vrai que j'ai pas su gérer au niveau de la santé en bas à droite. C'est de ma faute. Hop, c'est bon, on est full repair. Décoller. Et cette fois-ci, on y retourne. Hop. Et on fait plus de 84 000. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu prendre les 84 000. Vous me direz, sur 7 millions, c'est pas fameux, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Hein. Si jamais je me fais défoncer. Mais bon. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. De toute façon, je crois que j'avais entendu Emmerich. Enfin, Emmerich, je crois qu'il s'appelle sur sa chaîne. Dire qu'il ne fallait surtout pas, donc le chef des Blackbirds, hein, dire qu'il ne fallait surtout pas tenter les zones de conflit tout seul, à tout péter les faibles intensités. Bon, bah écoute, excuse-moi de désobéir à tes conseils, de ne pas les écouter, d'en faire fi. C'est pour la beauté du challenge, la beauté, pour la joie de mes viewers qui adorent me voir exploser en plein vol. Avouez-le, avouez-le. Je bois un coup, chers amis. J'ai soif. C'est qu'il fait chaud dans la cabine. Je voulais voir. Y a pas le poids? Non, y a pas le poids. Dommage. Dommage, dommage, il n'y a pas le poids. Juste pour voir, on va passer en ajustement, histoire de faire les tests. Sur le principe, hein. On va juste faire le test comme ça. Par contre, si on pouvait booster un peu plus fort au niveau de la vitesse, ce serait pas mal. Merci. Allez, allez, pousse. Pousse. Hop. J'ai dit pousser, alors tu pousses, s'il te plaît, merci. Je vois pas la différence quand je mets la pleine puissance. C'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de... Tout à l'heure, j'ai parlé de VR. On a entendu parler aussi je crois que c'est Star Trek The Bridge Crew, je crois que c'est ça, hein. L'équipage de pont. Alors, ça ressemble beaucoup à un mini-jeu, faut l'avouer, hein. Mais... Enfin, c'est un mini-jeu qui coûte cher, quoi. Mais ça semblait rigolo, quand même, sur la base, hein. Ça semblait plutôt rigolo. Si vous jouez à 5, ça revient quand même à un mini-jeu qui coûte... Alors, attendez, ça fait à peu près... 3500, alors 2000 euros, 2000, on va dire 2000, 2500 euros le PC VR ready, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Je sais pas, je connais pas les tarifs des PC VR ready. Mais je crois qu'on est dans ces eaux là. Donc plus le HTC Vive à 1000 euros. Vous voyez le truc quoi. Ça fait un mini jeu qui coûte extrêmement cher. À côté de ça, ils veulent faire Fallout 4 en VR. Le jeu visuellement est pas magique. Hein. Faut être honnête avec ce qui. Enfin, faut être honnête avec. Avec eux, hein, avec Bethesda. Hein. Le jeu n'est pas magique. Honnêtement,
Il m'aurait foutu Far Cry en VR. Là, j'aurais fait... Mais enfin bon, ce n'est que mon avis. Je reprécise à nouveau. Hein. Hop là. Nous avons là un Vulture. Ah du coup ça change complètement mon... D'accord, oui. Je comprends pas du tout. Non, je comprends pas. Hop. Hop, hop, hop. On va rechanger ça, parce que là, je comprends pas. Prédiction. Voilà, ça va être mieux. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Il tire partout. Mes tourelles qui bourrent. Mes tourelles qui tentent le bourrage. Sur quoi il tire à deux, là? Ça a l'air d'être un ASP Explorer. Hop. Je reconnais pas trop l'avant et l'arrière du Vulture, apparemment. Oh non. Ah non. T'en remets pas à faire ça. Bon, je sais comment faire avec les Vultures. Petit vaisseau. Autre façon d'agir. Joli. Thermal attaque, oui, je l'avais vu venir. J'ai bien vu la petite couleur violette. Hop, deuxième. C'est qui fait mal en plus le sac, hein. Hop. Allez. Hop. Pas pour longtemps. Et il me fonce dedans. Putain de manœuvre à la con. J'ai raté. Hop. Ah, il fait mal. Il fait quand même atrocement mal. Boum. T'apprendras. Ça t'apprendra. Hop. Hop les, voilà, regarde ça, regardez ça, cette manœuvre, elle est magique. Elle est magique et elle vous est offerte par Marcus Bonus dans la Playroom. Comme d'habitude, hop. Les belles actions sont pour moi. Je veux plus gros maintenant. Donnez-moi plus gros. Un ASP Scout, c'est pas plus gros. Je suis désolé, bah il s'est barré en plus. C'est un lâche. C'est un Sidewind. Un Cobra MK3, il n'y a pas plus gros. Viper MK4. Viper MK4. Ah ah ah, non. Cobra. Pardon. Eagle. Bon, bah écoutez. On va aller se rapprocher un petit peu du champ de bataille quand même. Hop. Crac. Nos amis sont en difficulté. Apparemment, non, pas vraiment. Oh! Salut l'ami! On a drôle de bruit à droite à gauche. Vous connaissez l'astuce pour les petits vaisseaux, marche arrière. Hop les, vas-y, bouffe. Allez! Viens voir papa! Allez, hop. Ouh, je me suis pris un coup. Ah oui. Elle m'a fait vraiment mal. Faut que j'évite de m'en prendre d'autres, des comme ça. Alors attendez, je vais changer de cible parce que là, lui, il me fait très très mal. Oh la vache! J'espère que je vais avoir le temps de la lancer. Oui, c'est bon. Lui me fait atrocement mal. Mes boucliers sont inactifs.
damage. Je suis à 84. Je l'ai touché. Non! Putain, il tente le suicide! Ça me saoule! Dégâts internes. Fuite. Fuite, fuite, fuite. Fuite, fuite, fuite. Donc vous voyez, tout seul, même tout seul plutôt je devrais dire, c'est chaud. Chaud les marrons. Fou. Fou, fou, fou. Tout seul, c'est chaud les marrons. Donc à ne pas tenter tout seul. Du coup, au final, on a un total de 120 000. On a vraiment été petits. En même temps, il n'y avait pas de gros, gros, gros vaisseaux et les petits faisaient extrêmement mal. Donc c'est vraiment tout seul une chose assez dure à réaliser. On a bien pu le voir ensemble. C'est compliqué à faire. Par principe, comme d'habitude, comme je vous l'explique à chaque fois maintenant, on va aller dans les modules, réduire les survolteurs pour gagner le plus rapidement notre bouclier. Remettre tout dans les systèmes à fond. Hop. Crac. Crac, crac, crac. Voilà. Et maintenant, on peut se permettre de les remettre. Si jamais il y a un combat, il doit nous rester une cellule, je pense. Mais comme c'est pas affiché, et vous savez que je teste ça. Ça devrait être affiché, les cellules. Ça devrait être affiché. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez que ça me fait rager, mais c'est comme ça. Bon, bon, bon. Eh ben, je pense que ça souligne encore bien l'épisode, hein. Faible intensité. Mon Lulu. Mais bon. C'est comme ça. Faut pas chercher. Je pense qu'on va plutôt se coltiner des sources de signal non identifiés. Et on verra bien le moment venu. Ou des missions. Pourquoi pas des missions? Après tout. 76% et 77% major. Ok. Expert 40%. Ok. Bon, est-ce qu'on va réussir à avoir au moins une fois dans ce let's play, dans cette série, Garée terminale avec l'entrée en face de nous. Ah, la magie. L'impossibilité. Mince. Ah, je l'avais il y a deux secondes. Je l'ai sur le bout de la langue, le mot. Ouais, non, je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, je sais exactement ce que ça veut dire. Mais je ne l'ai pas. Ah, c'est horrible. C'est à proprement parler horrible. Alors, c'était quoi ce mot? L'improbabilité. Voilà. L'improbabilité. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Eh ben non. Et c'est vraiment pas le... À chaque fois, c'est pas le bon. Donc en fait, l'entrée... Ah, c'est rigolo. Je vérifie. Là, la planète est toujours... Alors, est-ce que l'entrée est toujours en direction de la planète? On tient peut-être quelque chose là, chers amis. On tient peut-être quelque chose. Oui, madame. Merci, madame. Allons-y. Dès qu'on est en zone excès de vitesse. Hop. Crac. Ah, trop tôt. D'accord, j'aurais dû compenser. Note, hein. Plateforme d'atterrissage numéro 3. Roger. Hop. Je ne vois pas la numéro 3. Numéro 31. Mince, je ne vois pas la numéro 3. Là, dans le fond. Ok. Hop.
Ah, j'étais pas loin. Oh, ah, ça a rebondi. Ça a légèrement rebondi alors que j'étais pas à une très très grande vitesse. Et normalement, j'aurais pas dû rebondir comme ça avec les comment les le train d'atterrissage. Enfin bon. Entrée dans l'hangar, service de spatioport, chers amis. On va aller se faire réparer, on va aller voir s'il y a quelques missions au passage pour, pour la forme. Hein. 41 000, hop. Et surtout, on va aller récupérer nos crédits. Hop. Crac. Voilà. Niveau ramitaillement, on est bon. Réparation, est-ce qu'on a quelque chose à payer? Non. Tableau de mission, est-ce qu'on a quelques-unes? Sait-on jamais? Sait-on jamais? À part des missions de minage et des missions illégales, il n'y a pas grand-chose, malgré que nous soyons amicaux avec cette faction. Cette sous-faction, pardon. Donc, eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trop bien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!